Bienvenue les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le top 5 des meilleures universités en Chypre du Nord. Alors si tu aimerais tout savoir, juste reste connecté, on se retrouve tout à l'heure pour le jingle. Big up! Nous sommes de retour. Déjà, j'ai une nouvelle coiffure en fait, donc pour ceux qui ont constaté, j'ai coupé un peu les cheveux pour laisser des nouveaux repousser. Alors comme je le disais à l'intro de la vidéo, la thématique de la vidéo, c'est le top 5 des meilleures universités en Chypre du Nord. Alors, pourquoi j'ai fait ce classement? Parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui me contactaient à propos de cela. J'ai fait des vidéos à propos des différentes universités, mais jusqu'à présent, ils ne savent pas quelles sont les meilleures en fonction des différentes facultés qu'ils veulent étudier. Alors, cette vidéo est faite pour cela, en fait. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube et que tu aimerais savoir toutes les informations à propos de la Chypre du Nord, alors sur cette chaîne, j'upload des nouvelles vidéos chaque semaine à propos de la Chypre du Nord. Alors, n'hésite pas à matcher la cloche de notification pour être toujours notifié quand je fais une nouvelle vidéo et t'abonner, partager, liker les vidéos au maximum. Alors moi c'est Franck pour la propriété de la chaîne étudiant en Chypre du Nord. Alors dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler à propos de la Chypre du Nord et des différentes universités qui sont classées dans les meilleures universités. Alors sans plus tarder on va se lancer sur la thématique de la vidéo. Big up. Sans plus tarder on va se lancer sur le top 5 des meilleures universités en Chypre du Nord. Alors le premier en position de ce top 5 c'est Nyeri's University. Alors, Nyeri's University, c'est une université en Chypre du Nord, principalement dans la ville de Lefkocha. C'est la plus grande université, parlons de sa superficie en Chypre du Nord. Et aussi, c'était parmi les meilleures universités en Europe parce qu'ils font des compétitions avec des universités occidentales en fait. Donc déjà, ce que vous devez savoir, toutes les universités en Chypre du Nord sont reconnues à l'extérieur. Donc c'est un peu différent de leur situation politique en fait. Elle compte à son actualité présentement plus de 32 000 étudiants et plus de 20 facultés. Quand je parle de facultés, ça veut dire dans chaque faculté, il y a plusieurs départements. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de départements qui Nyeri's University compte en fait. Donc, déjà, c'est cela que vous devez prendre en considération. Et aussi, Nyeri's University, c'est l'une des plus grandes universités au Chypre du Nord. Donc, parlant de sa superficie. Donc, si vous n'avez jamais visité Lefkocha, juste venez à Nyeri's University, vous allez voir les différents bâtiments de Nyeri's University. L'université qui occupe la deuxième position dans ce classement, c'est Eastern Mediterranean University, encore en abrégé EMU. C'est une université située dans la ville de Fadmaghouz, encore appelée Maghouza, qui compte à son actualité présentement plus de 20 000 étudiants et plus de 20 facultés aussi en fait. Donc dans chaque faculté, il y a plusieurs départements. Donc si vous aimeriez savoir tout à propos de cette université, juste contactez-moi en fait. Donc allez dans la description. Vous allez voir mes différents contacts, soit vous intégrez mon groupe Telegram, vous intégrez mon groupe WhatsApp, soit vous pouvez me contacter par email. Donc, il y a tous mes différents réseaux sociaux là, en fait. Réseaux sociaux. Alors, l'université qui occupe la troisième position dans ce classement, c'est Cyprus International University, encore en abrégé CIU. Cyprus International University est une université située dans la ville de Lefkocha, encore appelée Nicosia, plus précisément dans le district de Aspolat. Alors, Cyprus International University, c'est une université qui compte plus de 18 000 étudiants avec des plus grands laboratoires et des laboratoires les plus compétents en Chypre du Nord. Quand je parle de laboratoires, ça veut dire que les laboratoires les plus complets, dont les dernières techniques, des dernières générations, en fait, les machines de dernière génération, si je veux dire ça comme ça, et les techniques qu'on utilise des dernières générations. Par exemple, comme je peux dire, dans le dentistry, la médecine, l'intelligence artificielle, donc, etc. Donc, c'est un peu de ça que je parle. Alors, après cela, il compte aussi beaucoup d'étudiants. Comme je l'ai dit, il compte plus de 18 000 étudiants. Donc, la population étudiantive est comptée à plus de 18 000 étudiants. Donc, il y en a beaucoup de Congolais, de Nigériens, de Camerounais, d'Européens. Donc, c'est une variété étudiantive là-bas, en fait. Donc, on prend les différents étudiants. Top 4 de ce classement, dont l'université qui occupe la 4e position dans ce classement, c'est Guinea American University. Guinea American University est une université située dans la ville de Kirinya, encore appelée Guinée. Donc, je recommande cette université à ceux-là qui voudraient étudier dans la faculté maritime. Donc, qui voudraient faire aussi dans l'aviation aussi, en fait. Parce que Guinea American University est une université située en bordure de mer. Donc, ils ont des bateaux, ils ont des navires. Ils vous forment dans les techniques de plongée, la maintenance des bateaux, etc. Donc, je ne sais pas trop comment je vais appeler ça, mais c'est ça en fait. Donc, c'est ces différentes facultés. Il y a aussi des facultés de nursing, facultés aéronautiques. Donc, il y a ces différentes facultés-là, là-bas. Le top 5 de ce classement, dont la 5e position de ce classement, revient à European University of Lefke. Alors, ça, c'est la dernière université de ce classement.
lister le top 5 des meilleures universités en Chypre du Nord. Alors, en fonction de ce classement, vous pouvez étudier en fonction de la faculté que vous voulez, en fait. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager au maximum et liker. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si tu aimerais savoir les frais totaux à dépenser pour pouvoir poursuivre tes études en Chypre du Nord, juste clique sur ce lien et t'amènera sur cette vidéo. Alors, moi, c'est Franck pour la propriété de la chaîne étudiant en Chypre du Nord. Si tu as des suggestions de vidéos, de thématiques dont tu aimerais que j'en parle, juste laisse un commentaire dans la partie commentaire. Alors, à nous revoir une nouvelle vidéo. Big up!